présente le petit, je vous présente le matériel. On aura besoin de deux poids de bouteille, deux rouleaux de papier toilette, une chaise, un tapis et n'oubliez pas votre goutte pour vous hydrater. Alors, on va de nouveau pour cet échauffement cardio partir sur deux blocs de 5 x 30. 30 secondes pour faire un exercice un petit peu plus intense que je vous présente juste après. Et 30 secondes qu'on va récupérer en step touch avec le bouteille. D'accord? Les 5 exercices que nous allons faire. Il y a d'abord les fentes ciseaux, j'appelle ça. C'est des fentes pliées devant, on ne descend pas jusqu'en bas, on utilise ses mains. Ensuite, il y a les burpees mountain climbers. Vous apprécierez mon accent anglais. Donc, on se sert de la chaise, on met les mains dessus, on écarte le pied, je viens courir 5 fois. Je regarde, je saute. Tac, 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens, je saute. Ensuite, on a les squats croisés. Je rappelle les squats, un peu plus large que les hanches. Je descends, je croise avant, je croise derrière. D'accord? Et le dernier exercice ensuite, il y a de nouveau un exercice de burpees, mais que j'appelle des burpees jacks. C'est penser au jumping jack ou burpees. Donc, on écarte. J'écarte le pied, je resserre, je reviens, je saute. Évidemment, tous les exercices de burpees avec la chaise, on peut les faire au sol si on a envie d'intensifier un petit peu tout ça. Et le dernier exercice, c'est l'exercice facile pour essayer de courir le plus vite possible sur place et mettre un rythme super intense. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous. On va démarrer, mettre un peu de musique, le chrono, et puis ce sera parti. Alors. Hop, j'envoie ceci, on met la musique. Les genoux bien droits dans l'axe. Hop.
Thank you.
presque la fin, il reste un exercice. On souffle bien. On aura bien fait travailler les jambes et les bras, en même temps que le cardio. Allez, jusqu'au bout. 3, 2, 1, on dépose, on est parti pour les pyramides là, on y va. On met du rythme, à fond. Allez, 8,
santé, pas forcément comment. Moi je le fais, bah, c'est continuer le groupe des étirages. Je rappelle que je vous laisse parfait, pieds sont bien parallèles, un peu plus larges que les hanches, les genoux sont bien dans l'axe, et le déplacement de point de vue. D'accord? Donc tout bien, tout bien la tête, c'est parti. 1. Après 2. On s'aide bien la fesse pour le moment. 3. Thank you.
7, 8, 9,
Mais donc, j'espère que cette arrivée est...
va le faire, on va les tenir chaque fois 20 secondes chaque étirement. On peut le faire, je vais vous expliquer, mais on peut le faire debout, assis sur sa chaise, assis sur ce talon, tant qu'on garde bien le bras, qu'on ne compense pas, qu'on ne creuse pas son dos, qu'on bien garde toujours le bassin bien droit. Ok. On va commencer par étirer les épaules. Je passe mon bras devant et je souffle bien, je contrôle ma respiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez que je suis sur des jambes fléchies, le bassin en rétroversion. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous ne vous mettez pas non plus en position en squat, hein. On a fini de se muscler là, c'est juste pour être bien stable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On va passer la main derrière la nuque ici, je vais pas pencher la tête. N'hésitez pas à voir dans une conséquence d'étirement, même si je ne le propose pas. Ok. Donc on fait ça. La main sur la nuque, sans la main sur la nuque, sans tendre. J'attrape le cou. On respire. Bien droit, donc je ne vais pas cambrer le dos.
Et si jamais c'est trop facile pour ne prendre pas le tirage, reculez le genou. On souffle bien. Biologisch een trend, voor ons traditie, het beste uit de natuur voor duurzame schoonheid. Nai. Oké, l'autre jambe. Ça ferme la cheville. Je fléchis la jambe d'appui. Je remets bien avant le bassin. Et je tire. Un petit peu sur le dessus, étirez les abdos.